Présenter les parties d'une carabine à air comprimé. Mais c'est quoi une carabine à air comprimé? Eh bien, quand on parle de carabine, plusieurs pensent directement à ceci. Ouais. Oh. Ok, assez avec le chat. Mais non. Une carabine à air comprimé, elle n'a rien de commun par rapport à des carabines de ce genre. Sa différence, elle n'utilise pas de poudre à canon. En fait, elle utilise de l'air ambiant pour tirer ses projectiles. Et cet air, ben, on en retrouve pas mal partout. Donc, sans plus tarder, je vous présente la carabine à air comprimé utilisée par les cadets. La DAISY 853C. La DAISY est une carabine de calibre 0.177 ou 4.5 mm. Elle a une vélocité maximale de 495 pieds par seconde. Elle fonctionne par chargement de coup par coup et elle a une portée maximale d'environ 235.4 mètres. Donc, passons maintenant au corps du cours, les parties. La carabine est composée principalement de 14 composantes. Nous avons l'extrémité, la bouche du canon. Son rôle est d'être le contrepoids pour s'assurer que le poids de la carabine est équitablement distribué sur toute sa longueur. Nous avons ensuite le canon, un tube en acier auquel le plomb circule à l'intérieur. La partie du bois en dessous s'appelle le fût. Son but est de garder toutes les pièces de la carabine ensemble et d'agir comme une poignée pour que le tireur puisse tenir la carabine confortablement. Par la suite, on a la poignée de la pompe. Cette poignée, faite en métal, sert à comprimer l'air requis pour propulser le plomb au moment du tir. Juste à côté de la poignée de la pompe, il y a le cran de sécurité. Ce petit bouton est sans doute une des parties la plus importante de la carabine. Ce dernier s'agit du mécanisme de sécurité de la détente. Quand elle indique le rouge, ça veut dire que la carabine est prête à tirer. Le noir, c'est l'inverse. Elle indique que la carabine ne peut pas tirer. Nous suivons avec la plaque de couche. Cette partie de la carabine, en contact direct avec le tireur, permet à ce dernier de replacer la carabine au même endroit dans son épaule. Ensuite, le morceau qui suit s'appelle la crosse. Entièrement constituée de bois, elle est la partie que le tireur met dans le creux de son épaule pour stabiliser la carabine. Sur le dessus de la carabine, nous avons en premier la mire arrière, une des deux mires de la carabine. Juste à côté de la mire arrière, on retrouve la culasse. Ceci est un levier en métal utilisé pour ouvrir ou fermer le mécanisme de la carabine. Pour que la carabine puisse tirer, la culasse doit être fermée. Par la suite, au-dessus de la culasse, on retrouve l'ouverture de chargement. Ce trou est l'endroit où le plomb est inséré dans la carabine. Encore sur l'extrémité de la carabine, cette fois sur la bouche du canon, on retrouve la deuxième mire, la mire avant. C'est avec l'alignement de cette mire et la mire arrière que le tireur peut viser sur sa cible. Maintenant, pour les trois dernières parties de la carabine, nous avons bien sûr la détente, le levier qui permet le tireur de tirer la carabine, le pontet, une partie en métal qui entoure et protège la détente, et finalement, la poignée de la crosse. Il s'agit de la partie où la main contrôlant la détente agrippe la carabine. Donc, en conclusion, une carabine à air comprimé comporte 14 parties. La bouche du canon, le fût, la poignée de la pompe, le cran de sécurité, la plaque de couche, la crosse, la mire arrière, la culasse, l'ouverture de chargement, la mire avant, la détente, le pontet et la poignée de la crosse.